Ok. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour une nouvelle fois parler d'une alternative à Midjourney et autres logiciels payants. Compliqué à installer, compliqué à gérer. On va aujourd'hui partir du côté de openart.ai. Donc, openart.ai, eh bien, ça se présente comme ceci. Avec donc une première page d'accueil, voilà, avec des générations d'images, avec le prompt alloué, etc., etc. On commence à connaître maintenant. Au niveau des options, on va avoir pas mal de petits trucs sympathiques avec, donc ici on peut voir qu'on peut avoir des crédits gratuits en allant sur Discord, sur leur Discord, pour ceux qui sont Discord. Ici, on a un truc intéressant. C'est un petit bouquin sur comment générer des images et notamment surtout comment gérer vos prompts. Donc c'est assez bien expliqué. C'est un petit bouquin bien foutu. On vous explique comment faire voilà, le prompt engineering, etc., etc. Donc très sympathique, très intéressant. Je vous conseille d'aller bouquiner ce truc-là. Deuxièmement, on a un prompt template. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont des aides, quelque sorte, au prompt. Donc, par exemple, on prend ça. Vous voyez, vous avez un prompt ici où on peut, voilà, on reviendra peut-être dessus, on fera un essai où on vous explique. On vous donne un prompt à tester, etc. Donc dans différentes catégories, comme vous pouvez le constater, différents modèles. Donc intéressant aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a ici une cellule pour entraîner vos modèles. Mais ça, c'est payant. Donc avec une petite vidéo. Donc voilà, on vous explique comment entraîner vos modèles pour créer vos propres modèles. Mais comme c'est une option payante, bon, je vous montre vite fait quand même l'interface. Voilà, on peut choisir homme, femme, animal, etc., etc., etc. Et donc vous voyez là, voilà, il s'agit de payer. Je crois pas qu'il y ait d'options gratos sur le truc. Donc bon, si ça vous intéresse, vous avez l'option qui est quand même pas donnée. Modèle 7 euros le modèle, on est à 21 dollars. On peut générer 400 images. Bon, bref. Voilà pour ça. C'est que ça peut m'intéresser. Nous, on va s'intéresser à la génération pure et simple. Et donc, pour cela, on va venir ici dans créer. Donc, on arrive sur l'interface de génération. Vous pouvez voir que voilà, il y a quelques images que j'ai générées moi. Alors pour être honnête, ça marche au crédit. Comme ça fait un certain temps que j'ai utilisé ce truc-là, je ne pourrais plus vous donner exactement le nombre de crédits qu'on a à la base, gratuitement. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça fait un petit moment moi, que je me suis inscrit dessus. Je pense qu'il faut s'inscrire hein, quand même. Enfin, il faut se connecter, se créer un compte pour avoir des crédits gratuits. Mais enfin voilà, moi je suis quand même à 855 crédits gratos. On nous marque ici que voilà, si on va sur le Discord de OpenArt, on a des crédits gratuits. 488 essais pour essayer quand on se. Voilà. Donc en fait, très très intéressant, je pense. Très très intéressant au niveau du gratos. Il faudra voir s'il y en a qui peuvent me faire un retour sur voilà, quand on arrive dès le début, de but en blanc, dès le départ, combien on vous donne gratuitement. Enfin, pour vous dire que voilà. Ils sont généreux puisque moi, voilà, ça fait un certain temps que je suis dessus, j'ai jamais rien acheté et j'ai quand même 855 crédits en ayant déjà généré pas mal d'images. Voilà, ensuite pour le reste, rien de bien compliqué. On a quand même donc ici, voilà. Alors, on va quand même regarder, voilà. On a donc des packs. Si ça vous intéresse, mais enfin bon. Comme pour tous les modèles, hein, il y a des options payantes. Mais nous, on part sur le gratuit, c'est un peu l'idée de la chaîne. À savoir générer gratuitement, voilà, sans mettre un petit billet.
et pour sans se prendre la tête. Donc, interface de création avec ici la cellule prompt qu'on commence à connaître, le négatif prompt, pareil, qu'on commence à connaître. Vous avez l'option image to image, vous pouvez donc partir de votre image à vous et de faire des variations. Ici, on a la configuration, à savoir le nombre d'images que vous voulez, la taille de l'image, toujours pareil, le scale, le nombre de steps, etc., les samplers, les seeds, etc., etc. Chose que pour nous, pour l'instant, sur la base, on bidouille rien, on laisse comme ça. Je reviendrai plus tard quand on fera des vidéos un peu plus pointues sur le sujet, de rentrer dans les réglages. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On peut upscaler, je pense. Ouais, faire un x4. Pour l'instant, comme je le dis, on ne va pas rentrer dans ces gros réglages-là. On va partir sur la base. Vous avez ici, c'est ça qui est intéressant, les différents modèles que nous propose OpenArt. Et il y en a quand même pas mal. Pour le coup, ma connexion est très flasque, donc vous ne voyez pas grand-chose. On va essayer de mettre un petit coup. Ça n'a pas envie. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc voilà les différents modèles proposés avec lesquels vous allez pouvoir générer vos images. On est sur du Stable Diffusion 1.5 standard, du OpenArt PhotoRealist, Stable Diffusion 2.1 en 512, 2.1 en 768, du DALL-E gratuit, du Deliberate qu'on connaît aussi, et ensuite voilà, Model Shoot, Analog, Portrait Plus, Waifu, etc. avec un petit exemple d'image pour vous donner un peu le style du truc. Donc comme vous pouvez le constater, celui-ci a l'air nouveau, on ne parle pas. Donc on a quand même, voilà, déjà de quoi s'occuper largement au niveau des modèles. Donc voilà, on va faire un petit test. Hein. On va partir sur. Allez, on va partir sur un petit Deliberate. Donc vous choisissez voilà le modèle que vous voulez. Et puis comme d'hab, on va pas se casser la tête, on va aller chercher un prompt déjà tout fait. On va venir le mettre là. Pareil pour le négatif. Hop. Bien. Hop. Ok. Hop là. Hop. Et c'est parti. Et ensuite, tout simplement, on crée et on laisse générer l'image. Voilà ce que nous propose Deliberate. Eh bien, ma foi, pas mal du tout. Même très bien. Là, c'est finalement de tous les tests qu'on a pu faire. C'est pas la première fois que je prends cette image-là. Et sur les autres, eh bien, je pense que c'est celui-là qui, pour le coup, sera proche le plus de ce qu'on avait obtenu avec Leonardo. Donc, franchement, c'est très, très correct. Pas de défaut notoire. Non, c'est très joli. Très très joli même. On va partir sur comment on l'a fait. On va faire un deuxième truc en vrai. Tiens, on va essayer de voir un peu celui-ci, comme j'ai essayé aussi. On va rester sur Deliberate. Je suis pas sûr que, pour le coup, je suis pas sûr qu'il soit Deliberate soit le modèle idéal pour générer ce genre de truc. On va voir. Hein. Mais voilà, encore une fois, les modèles ont une importance sur la génération des images. Quoi. Chose qui est plus sur du réaliste, voilà, pour du portrait, tout ça, c'est pas mal. Si on veut des trucs un peu plus manga, un peu plus machin, ben voilà, il faut repartir sur du manga. Et voilà ce que nous propose Deliberate, et franchement, encore une fois, propre, quoi. Très très intéressant. Très très intéressant. Donc voilà, rien de compliqué. On va repartir peut-être sur celui-là, là. Et en fait, je vais vous montrer justement, voilà, différence des modèles. Donc, même prompt. Encore une fois, on l'a déjà fait, mais... En switch, on va partir, voilà, sur... On va essayer d'aller chercher un truc un peu plus...
Corgodon Shipper, ça pourrait être. Oui, c'est Arcane Diffusion. Arcane Diffusion, donc c'est basé sur une série, je crois, un dessin animé, je connais pas, mais bon. Avec donc des personnages assez typiques au niveau rendu. Là, je pense que ça va nous donner totalement autre chose. En tout cas, un style vraiment orienté. Voilà, Arcane, justement. Voilà. Exactement. Voilà, donc on sort du truc. On a bien notre personnage, mais voilà, qui a vraiment un style Arcane pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment un style particulier. Mais voilà. On va faire un autre petit. On va essayer, par exemple, Portrait Plus. En général. Ouais, c'est pas mal non plus. Mal non plus, mais voilà, on est sur un style vraiment différent. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Chaque modèle va être plus ou moins doué en fonction de ce qu'on va lui demander. Et en fonction des créations qu'on veut. Donc on va faire le même essai. Et on va partir sur un truc, hein, comme ça, là, qui est un petit peu spécifique entre guillemets. On va pour le coup pas partir sur portrait. Puisqu'on n'est pas sur du portrait, on va partir sur. Allez, je sais pas, tiens, on va partir sur ce modèle-là que je connais pas, watercolor. C'est parti. J'ai pas dû changer le prompt. Non, j'ai pas pris mon prompt, effectivement. Donc en fait, c'est sur le même que précédemment. C'est pas mal. Bon, après, là, il y a un peu du défaut. On n'est pas sur du qualitatif précis. Même si c'est pas dégueulasse, dégueulasse. On voit que voilà. Le modèle Nozen Watercolor particulier, mais j'étais pas là-dessus. J'étais sur celui-là, c'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il voulait me coller. Voilà, en tout cas, une nouvelle alternative. Je ne vais pas en faire pendant 8 jours. Une autre option qui propose pas mal de modèles. Donc, vraiment de quoi faire, qui propose pas mal de crédits gratuits. Enfin, c'est pas mal. C'est marrant, il me l'a mis sur un t-shirt. Voilà, mais enfin, on voit qu'il y a des rendus très intéressants. Il y a vraiment, je pense, moyen de faire quelque chose. À tester quoi, à tester. C'est gratuit, c'est simple. Donc voilà, je vous laisse me faire un petit retour. Cas échéant, on va terminer cette petite vidéo avec. On va reprendre un dernier petit personnage. On va faire un peu réaliste. Voilà, un portrait classique. Hop. Donc encore une fois, voilà. Une belle alternative. On est sur du simple, rien de bien compliqué. Je laisse le lien en dessous. On s'inscrit et puis tranquillement, on peut tester différents modèles. Hop, un modèle shoot. Voilà. Différents modèles à disposition. Un nombre assez conséquent de crédits. Puisqu'on est sur du en plus un crédit par image. Donc c'est pas non plus du vol. Et on obtient des trucs sympatoches, quoi. Voilà, bon là, pour le coup, j'ai remarqué que quand on est assez loin, voilà, quand on fait de l'image avec un personnage en entier, on a pas mal de soucis avec les visages, quoi. C'est-à-dire qu'autant le reste est intéressant, autant on voit bien que le visage, elle a pris un bus en pleine tronche. Là, c'est un petit peu mieux, mais c'est pareil. On voit que le visage, voilà. Tout le reste est nickel, autant le visage. Voilà. Alors, je suis pas, c'est vrai que j'ai pas fait ça. On peut. Alors voilà. On peut. On a l'option upscale. Voilà. Donc upscale. Ah ben, on va tester. Tiens, voilà. Puisque il y a des améliorations du visage. Je vais essayer en x2. Voir si c'est efficace. Au niveau de l'amélioration du visage. Donc on retrouve, hein, voilà, à la génération, on retrouve les options
classique, on peut faire une variation, on peut s'en servir de image pour image. Boum. Bon. Alors, on va pas se mentir, l'upscale, je la vois. Ouais, on voit que ça améliorait la netteté de l'image. Par contre, au niveau du visage, on va pas se mentir, je vois pas d'amélioration notable. Je vais essayer de faire un x4 au niveau de la figure. En général, Playground, c'est pareil, ils ont cette option d'amélioration du visage, mais j'ai jamais été surpris. Ouais, c'est peut-être un chouï mieux. Ouais, c'est un chouï mieux. Mais c'est pas non plus, voilà, transformation extraordinaire, quoi. On va, tiens, on va faire un petit remix de celle-ci pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et en fait, ça m'a relancé simplement le prompt. A priori. Alors, est-ce qu'ils vont regarder l'image? On va voir. S'il va garder l'image de ref. Ou si c'est juste pour lancer le prompt. J'ai l'impression que c'est juste relancer le prompt. Elle a l'air d'être partie. J'ai l'impression que c'est la même. Celle-ci est nouvelle par contre. C'est pas mal. Mais je crois que ouais. Peut-être il est parti. Est-ce qu'on est parti de ça? Si, il m'a quand même fait une variation. Hein. Il est amélioré. Ouais. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tester cette nouvelle option. Donc OpenArt.ai. Et puis je vous laisse le lien en dessous. Et puis n'hésitez pas à faire un retour. Hein. Mais voilà. Un très bon choix encore. Une belle option à tester. Allez, à plus.